En marche vers Dakar 2026, comme vous le savez, nous allons accueillir, mais c'est l'Afrique qui va célébrer. Pour la première fois dans l'histoire des Olympiades, l'Afrique va accueillir les Jeux Olympiques de la jeunesse, particulièrement au Sénégal et plus particulièrement à Dakar. Je profite de cette tribune pour tendre la main à l'État central, mais aussi au Comité national olympique sportif sénégalais. J'insiste, et je le répète une fois de plus, j'insiste sur cette main tendue, parce qu'il ne faudrait pas que l'histoire retienne que pour la première fois dans l'histoire de ces Olympiades, que nous organisions des Olympiades ici en Afrique, particulièrement au Sénégal, et que nous n'arrivons pas à remporter des médailles. C'est pourquoi nous allons œuvrer main dans la main pour relever ce défi. Le défi de ces Olympiades. Accueillir les Olympiades à Dakar est une chose. Célébrer les Olympiades en Afrique est une chose. Mais honorer le Sénégal et honorer l'Afrique est une autre chose. Comme vous le savez, malheureusement, nous n'avons plus aujourd'hui les USU, ces fameuses compétitions interscolaires qui permettaient au sport sénégalais, particulièrement à la jeunesse sénégalaise, de pouvoir montrer et démontrer son talent. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que durant l'année 2025, nous puissions avoir les Olympiades de la ville de Dakar. Ce serait une autre forme d'USU à travers les communes, à travers les écoles, pour pouvoir capaciter et pouvoir surtout permettre à cette jeunesse de pouvoir porter très haut le drapeau du Sénégal.